ça, les loups. Ma première affigan à grande bouche. L'autre jour, c'était un affigan à petite bouche. Aujourd'hui, je suis venu avec les conseils de ma copine, qui est mon guide de pêche. Puis elle m'a dit, tu pogneras rien avec ta Toronto Wobbler, tu pogneras rien. Ben, regardez les loups. Complètement faux. Un affigan à grande bouche avec ma célèbre Toronto Wobbler. Le monde fait longtemps qu'il me dit, Chris Ross, tu pêches avec quoi Toronto Wobbler depuis 25 ans? La même, tout le temps, même que ça. Ça fonctionne. Hey, ça n'a pas l'air gros, ça. What the fuck, c'est ça? Chris, c'est quoi ça? C'est un crapet. Un crapet? Crapet soleil. Chris, c'est un crapet soleil, les loups. C'est beau, mais je ne suis pas sûr qu'on se fait manger avec ça, par exemple. C'est joli. J'aime bien découvrir les poissons. Ça fait changement qu'il y a une de la truite dans mon coin de pays. Crapet. Ah, ça pique un crapet? Fais attention. Ah ouais, d'accord. Salut le crapet. Magnifique. Un crapet? Il vient d'échapper. Il l'a échappé, hein? Oh. Un autre crapet. Un autre crapet, les loups. C'est quand même un très, très beau poisson. Pareil. Ça chante une ouitouche. Il se passe de quoi ici? Non, c'est pas trop peur. Tabarnak. Je crois que t'as marlé. T'as pas trop. Prends mes deux mains. Oh la fuck! Oh oui, ça c'est la grand-maman. C'est elle la grand-mère que tu me parlais. Esti. Montre-nous ça. Tabarnak. Depuis tantôt, moi je suis comme Chris, on va y garder ici. Moi j'avais vu ça, moi de la chouette à grande bouche. Puis là, elle dit non, il y a grand-maman pas loin. Ah, c'est ça, grand-maman. Tabarnak, Anne-Sophia, la gardes-tu, celle-là? Ah non, celle-là est trop grosse. Non, on remet ça à l'eau? Hé, hey, gars-moi ça. Une belle, aussi belle que la bonne femme. Waouh! Des verres, on remet ça à l'eau. Ah ouais, grand-maman va repeupler, là. C'est comme un castreux, c'est comme un castor. Tu l'as-tu entendu? La belle brume là-bas. Viens-tu te gazer le lac? Oh! Ah non! Pas comme ça, on n'avait pas eu.
Elle mange un marteau. Et hop, voilà. Elle mange un marteau. Merci. Anne-Sophie qui récupère mes poissons. C'est bien, ça. C'est bien. Oui, je viens de pogner une parcôte. Puis, je l'ai vu. Il était direct sur ma parcôte. J'ai de quoi de gros, là, je sors une petite part chaude, longue comme ma caquette, là, du moins, c'est pas gros, ça. Ça fait que, non, je l'avais vu. Je l'avais vu. Ouais, ben les loups, un autre bel affligant à grande bouche. J'ai du plaisir ici, tantôt on entendait une fouette. Non, bon, des fois la nature ne participe pas autant qu'on voudrait. Tantôt on entendait une belle fouette. Grenouille, t'entendais la grenouille? Moi, j'entends des sons, c'est peut-être juste dans ma tête quand t'es dans le bois. Ouais, bel affligant, c'est le loup. On va te remettre à l'eau. On va te remettre à l'eau. Moi, c'est Big Papa que je veux, grand papa. Hein, Sophie a pris Big Mama, là. Hein, grand Mama, là. Et moi, là, c'est Big Papa que je veux. Moi aussi, j'ai une belle grande bouffe. C'est la poignée des algues ici. C'est pas mauvais ça le pied. À quelque part, là, il faut l'accompagner ce poisson-là. Une coupe d'algues là. Petit nénuphar avec ça, peut-être bien. Oh la crotte!
Oh yeah, elle est où? Une autre belle. C'est drôle, les loups, d'avoir vos pinces proches de vous autres. Je connais peut-être pas ça, la pêche dans ce coin-ci. J'étais un pêcheur de truite, là. Mais essayer de faire souffrir le poisson moins possible, avoir la pince le plus proche possible. Mais lui, je le garde, puis je le mange. Là. Une autre belle, ça, les loups. Une autre belle. Ça fait que moi, ça m'en fait trois. Ça m'en fait trois. Et puis, on va se donner jusqu'au... Bon, nous donnons ton pouce, la chigan. Jusqu'à Norseur. Puis, on va un bon petit souper. Je m'en vais vous fricoter un petit quelque chose avec ça. Vous allez voir, ça va être bon.